La police nous surveille et je nous observe du dos de la caravane blanche, peinte et repeinte d'un blanc stérile. Je m'appelle Jules Gauthier, euh, je suis photographe et euh, journaliste. Donc euh, la photo, pour moi, ça a commencé euh, très tôt. Euh, donc en parallèle de mes études en sciences politiques, je faisais de la photographie, je me suis rendu dans, dans plusieurs pays à travers le monde, dont le Moyen-Orient. Euh, j'ai commencé vraiment à faire de la photographie un peu plus journalistique. Et aujourd'hui, je dirais depuis les dernières années, euh, j'ai shifté un peu plus vers le, la photo euh, documentaire, donc des projets un peu plus sur le, sur le long terme. En bas de la côte, c'est un livre en fait, qui euh, aborde euh, les humains, les paysages des quartiers Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Euh, comme on le sait, ces deux quartiers-là, qui sont historiquement des quartiers un peu plus populaires et ouvriers, bien, depuis les dernières années subissent euh, un fort embourgeoisement, euh, une gentrification assez soutenue. Euh, les gens qui vivent depuis euh, 20, 30, même 40 ans, euh, avec la pression immobilière, l'augmentation des prix, euh, doivent euh, quitter leur quartier, souvent s'exiler de plus en plus loin. Donc, euh, j'ai voulu axer, en fait mon travail sur euh, ces gens-là. Ces paysages-là qui, qui tendent à disparaître un peu pour pas qu'on les oublie. Euh, donc, ça, ça, c'est autant des, des, des gens, euh, comment dire, plus démunis, des gens qui habitent dans la rue, des, des familles. C'est des quartiers où se côtoient des nouveaux arrivants très riches, des condos qui poussent et des vieux de la vieille, si je peux dire. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils sont là. Et ces gens-là se font tasser de plus en plus de leur quartier. Donc, j'ai voulu vraiment aller à leur rencontre, euh, autant prendre ces gens-là en photo, mais aussi les paysages qui changent beaucoup. Donc, euh, l'été, euh, en 2021, j'ai euh, pris mon appareil argentique, moyen format, et j'ai commencé un peu à, à me promener dans le quartier, euh, sans trop savoir ce que je faisais, et de, de fil en aiguille, en parlant avec les gens, tout ça. Mais je me suis dit, bon, je tiens quelque chose peut-être. Euh, je prétends pas non plus faire l'histoire euh, de ces quartiers-là et euh, d'aller en détail, mais je veux vraiment ma façon euh, capter un peu ce, cet esprit qui, qui disparaît, en fait, en quelque sorte. Salut, j'arrive, en bas de la côte, au bord du fleuve. Pas celui de trois pistoles vastes et vert comme une vacance, celui des Big johns, des John Players, des containers sales qui s'empilent, du métal qui cogne, au temple des débardeurs qui parlent fort, même le soir, sur les galeries possède le Kamouraska blanche et fière comme un sourire neuf. Celle d'Helwin, de Leclerc, des galeries stimées aux dents pétées, pleines de bouteilles vides, de poussettes vides, de générations évincées. Dans la ruelle, on voit plus le soleil depuis un bout, ça fait qu'on garde se coucher les ronds de poils sous la fane. Salut vendredi, sort de la shop, arrive full pin en triporteur. Devant Jean Coutu, Mathieu s'est rasé la tête pour aller mieux.